Good morning and welcome on CIAL TV. I'm thrilled to be with you and I'm here with my four experts. Bonjour à tous et bienvenue sur CIAL TV. Je suis très heureuse d'être avec vous avec mes quatre experts. Today we are going to discuss about the food of the future. What will we be eating? What will be the ingredients? All the questions will find the answers around this table. Dans quelques instants, nous allons discuter de l'aliment du futur. Qu'allons-nous manger demain? Quels vont être les ingrédients phares? Et la façon de les cuisiner, nos quatre experts vont répondre à ces questions autour de cette table, around this table. Marius Robles, thank you so much for being with us. If you don't mind, that would be better if you put your headphones so then you could actually understand everything. You are the co-founder of Reimagine Food. Vous êtes le fondateur de imaginer à nouveau l'alimentation. Benoît Millet, vous êtes à ma gauche. Vous êtes le directeur du Design Lab des nouvelles pratiques alimentaires de l'école de design de Nantes, en Atlantique. Jean-Philippe Marie de Chastenay, vous êtes le PDG de Touareg. Vous nous expliquerez, dans quelques instants de quoi il s'agit. Et enfin, last but not least, Mathieu Gonsalves, vous êtes le cofondateur d'Algama. Nous allons découvrir ensemble de quoi il s'agit. Marius Robles, from your point of view, what will be the future of what we will be eating? De votre point de vue, quel va être le futur alimentaire sur la planète? Very interesting question. I think for the people that we are in the food sector, now is probably the best and the most exciting moment to be here, because we analyzed, we discovered that the perspective of the next 10 years probably changed a lot. Changed a lot in two different directions. First of all, probably how we eat, and the other is what we eat, really. When we talk about basically what we eat, obviously we have an interesting change in superfoods, food replacement, includes probably new food that we don't understand that probably are very near of us, and includes a smart food, probably some kind of food that when we introduce in our body, probably detect inside our body what is the behavior of this food inside. Probably this is a very scientific scenario, but we believe that it's very, very near, more near than in the 5 years. But obviously the main point that changes, if let me show you the picture. Let's have a look to the picture. Regardez l'image que nous a amené Monsieur Robles. We have like three big waves, you know? Yes, exactly. We discovered that probably 1 year ago, we are starting a new food economy that we say, that we, the branding of the name is Sinomics, that is a new economy where start technology, where startups like Algama, to have a very, very change in the sector, but mainly change the players that introduce in the food sectors. Which players means? Like Amazon, like Uber, like Google. Some players that start probably in the food delivery, but it's not the end of his astrology. They went to introduce to more points, like for example, to take a picture and discover the nutrition, the pesticides, the calories of this product. And when we talk about genomics, we talk because the consumer behavior changed a lot. The behavior wants more transparency, traceability, more food security. Absolutely. And obviously, the behavior changed, more focus. And they are aware of what they want to eat and what they don't want to eat because they want to be healthy. They want to be living longer. Yes. They want to know where the ingredients come from. Yes. We can see several waves in your picture. We have like a vegan meat wave that is right now, like the vegan, the organic. But what will be like the last waves? Yeah. It's like in 2025? Well, yes. It's not that long, 10 years from here. No, it's around the corner. Yeah. It's around the corner. So but probably it's gonna happen. We are start for example, in the next 10 years, if we can imagine, we discover a new concept that is smart food cities. Probably the 85% of the population in the next 20 years live in the cities. And probably the 30 or the 40%
of every of wheat come from our home. Wow. Not from, this is that. And what a big challenge, huh? A big challenge. A big challenge because probably we introduce new technology in our kitchen. We are makers of food. It's a little bit frightening, though. Yes. You agree? Yeah. Yes, but for example, we have analyzed on the score more than 4,000 food startups. We work with more than 28 food companies, and we know that this is some of the point that these companies are trying to discover and to make the bridge between now and the future and this exciting future about food. Thank you so much, Mr. Wobbles. It was very interesting and a little bit frightening. Thank you again for that. Mathieu Gonçalves, je vais me tourner maintenant vers vous. On parle de ces nouvelles pratiques alimentaires, des pratiques du futur. Vous, vous vous êtes dit, il y a plein de choses à explorer. On n'est pas obligé de manger de la viande pour avoir du fer. Les algues sont une source d'oligo-éléments très intéressante. On peut également trouver beaucoup de fer là-bas. Vous avez fondé Algama, une nourriture qui est 100% végétale, sous la mer, les algues. C'est ça. Donc, en fait, Algama, le concept, c'est vraiment d'utiliser tout le pouvoir nutritif des micro-algues. Donc les microalgues, qu'est-ce que c'est? C'est des micro-organismes qu'on trouve surtout dans un univers marin ou en tout cas aquatique. Donc ça peut être de l'eau douce, de l'eau saumâtre, de l'eau salée. C'est surtout des facteurs environnementaux qui déclenchent leur apparition naturelle. Il en existe plus de 200 000 différentes espèces dans le monde. On en connaît à peine 30 000. Et les 200 000 sont comestibles? Non, pas à ma connaissance. Mais de toute manière, on n'en connaît qu'une petite partie. On en connaît à peu près 15%. Sur ces 15%, on en a caractérisé que certaines. Certaines sont comestibles et apportent des choses très positives d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue texturant. Et finalement, il n'y en a que 3 qui sont autorisées sur le territoire européen. Donc il y a un vrai potentiel en fait, de développement, un vrai potentiel d'exploration autour de tout ce sujet-là. Sachant que parmi celles que nous avons caractérisées, il y en a certaines comme la spiruline par exemple, qui est la micro-algue la plus connue, qui a des vertus nutritionnelles totalement exceptionnel. Marius Robel seems to agree with you. Marius Robel est d'accord avec vous. Oui, parce que Marius est un expert. Donc il sait que, évidemment, la spiruline, c'est plus de 70%, enfin c'est environ 70% de protéines à l'état naturel, ce qui en fait l'élément naturellement le plus riche en protéines. C'est, en plus, dans ces protéines-là, il y a une particularité qui est extrêmement intéressante, c'est que le profil d'acides aminés présente tous les acides aminés essentiels, ce qui est extrêmement rare. Pour des plantes. C'est également très très riche en vitamines. On a 9 vitamines différentes. C'est la source la plus riche existante en vitamine B12 également. Oui, c'est assez impressionnant. C'est un vrai apport nutritif, intéressant. Et c'est pour ça que vous vous êtes dit, il y a certainement un marché à prendre. Je vais me permettre de me tourner vers vous, Jean-Marie de Chastenay. Est-ce que vous pensez... Bah, alors, il y a des grandes tendances, there are many trends right now, concernant l'alimentation, concerning food and the future of food. Est-ce que pour vous, la spiruline, est-ce que c'est un passage, est-ce que c'est une tendance ou est-ce qu'elle va être définitivement marquée dans ce qu'on va manger dans le futur? Alors, elle ne sera pas de passage. Elle correspond à ces typologies d'aliments qui ont des forts apports nutritifs, nutritionnels et qui sont bons pour la santé, qui ont un petit inconvénient au niveau du goût. Et on va y revenir, et qui est typiquement une base intéressante pour travailler d'autres aliments. Et c'est l'autre évolution, et c'est ce qu'on a vu plutôt dans la partie Smart Cities, Smart Food Cities. On est aussi dans une société en termes de consommation et au global où on est dans le self. Alors on est dans le self-service au départ dans la nourriture. L'idée c'est de passer du self-service à la self-food, qui va être cette nourriture qui va être la sienne, la propre, et qui va aller avec... Comment est-ce que je corrige mes désagréments, alors ce qu'on va appeler en innovation le quantified self, donc tout ce qui est la mesure de soi-même, la prise de mesure de son état de santé, de son état de fonctionnement. Comment on fera, Jean-Marie de Chastenay, demain, comment on fera la propre mesure de son état de fonctionnement? On ne peut pas aller faire une prise de sang tous les 3-4 matins pour savoir si on manque de fer ou si on manque de vitamine B12. Alors, on est déjà capable de le faire avec, comme dans l'aventure intérieure, des tout petits vaisseaux spatiaux qui sont dans le corps et qui envoient les informations sur un smartphone, mais qui peuvent les envoyer sur un produit qui va
fabriquer la nourriture, parce qu'on est dans le self, dans le sur-mesure aussi, dans le custom. Et typiquement, la spiruline, on sait que c'est une base qui est très intéressante en fonction, en ajustant la quantité en fonction du profil de la personne et en corrigeant. Et c'est là où on est dans la deuxième tendance, qui est la décorrélation entre la forme de la nourriture et le goût de la nourriture. Et la spiruline a un bon exemple. Pour l'instant, on la met dans des soupes, beaucoup, dans des breuvages, dans des jus de fruits, pour corriger les problèmes gustatifs. Ben, on va être exactement là-dedans. On a décorrélé avec la cuisine moléculaire, le rapport entre ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble, et ce que je mange, et ce que c'est en réalité, et on va être dans le travail de ces produits-là, alors avec des imprimantes à nourriture, et ça, on a un expert on va en parler dans à côté qui va mmh. détailler, mais soit dans imprimantes, mais l'idée c'est de produire, et on est dans ce qu'évoquait Marius Robles, dans la production à la maison, mais c'est quelle typologie de produits je vais produire à la maison, et comment je vais les cuisiner, et pourquoi. Donc on est vraiment dans, alors si on faisait le self-food en français, on serait dans les égoliments. On a eu les alicaments, et on serait dans les égoliments, qui sont vraiment cet aliment pour moi. Les alicaments, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les aliments qui sont médicaments, etc. Benoît Millet, je me tourne maintenant vers vous. Effectivement, vous êtes un expert des tendances, de ce que nous allons pouvoir retrouver demain, et surtout du design alimentaire. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de repenser l'alimentation de demain en prenant tous ces challenges et toutes ces questions en compte? Des aliments qui sont bons pour la santé, des aliments dont on a une traçabilité, des aliments qui doivent tout de même remplir ce que le corps de chacun et ce dont on a besoin, ça paraît être un sacré challenge. Est-ce qu'on perd pas un peu de vie, d'authenticité? Oui, surtout que un aliment, pour qu'il soit considéré comme comestible, il faut que nous, on le considère comme comestible. Exactement. Il n'y a pas que notre estomac, c'est-à-dire est-ce qu'il est toxique ou pas. Il faut qu'on le reconnaisse comme comestible. C'est le problème de la spiruline. Quand je dis problème, c'est, vous allez voir, on a fait quelques recherches là-dessus. C'est que c'est une micro-algue. Tout comme je vais parler des insectes, ce ne sont pas des aliments considérés comme tels, en tout cas par les Français. Hein. Je dis les Français parce qu'en plus, nous en France, on a notre alimentation qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Donc dès qu'on commence à vouloir faire de l'innovation, ça peut être un peu bloquant. Mais il y a quand même des opportunités, le monde change. Alors donc la spiruline, par exemple, ça a une couleur qui n'est pas forcément considérée comme alimentaire, c'est un fort pouvoir colorant. Et puis en effet, en termes d'odeur et de goût, c'est pas forcément ça. Gustatif. Voilà. Monsieur Gonsalves. Par rapport à ça, il y a des avis qui divergent, effectivement. Il y a une très grande majorité de personnes qui estiment que la spiruline ne correspond pas à leurs attentes en termes de goût, en tout cas en termes organoleptiques. Mais certains véganes, certaines personnes habituées au bouquet très végétal, donc, qui consomment du thé très brut, etc., peuvent vraiment apprécier le goût. Après, c'est vraiment une question de culture et de bagages culinaires, en fait. Et d'éducation, peut-être, pour le futur, de commencer sûr, à éduquer nos enfants à goûter un peu tout. Lié à l'éducation, en fait. On est tous l'issue culturelle de tout ce qu'on a appris. Mr. Robles, would you have spiruline? Would you have algae? Do you already have? Yes. Est-ce que vous mangez? First of all, I like a lot, yes. And the first time that I eat algae was in El Bulli, from Ferrara, 50 years ago. It's probably one of the people that discovered the potential about the algae. I think more than an algae, we need to start to introduce the saber and the flower of different perspective from different products, very aligned to the superfoods products, food replacement, because obviously we have a critical scenario from the FAO, for our restoration in the 2015, about we need to increase 75% of perspective of agriculture. And we start to discover new potentials like algae, microalgae, on probably some problems, relations with the sea and the other perspective. How we interpret it now, the food, the meaning of the food, probably change in the next 25 years if we don't change our interaction
about new introduce new products. New products, and we start in this point. If technology have something that can improve our relation about food, one of these is the ultra-personalization. And when we talk about ultra-personalization, how our behavior changes, how our mind changes, we start to introduce new products. New ingredients. New ingredients that are very aligned of, obviously, our genome, nutrigenetic. Mm. We can talk about nutrigenetic, etc. Because now we have the technology. At the moment, the technology that we have is more for the start than not to increase, for example, concept like flowers. Technology, we need to talk. And the other point, a more critical to relation about this, is the question about food. Food is social. Food is a status quo. We are that we eat. Of course, we are. First of all, we need to start, because now, like in the similar way that I say that we are in the best, most exciting moment to be in the food sector, we are in the most critical moment for critical points like obesity, desnutrition, and food waste. Alors justement, Benoît Millet, là, on a parlé d'une alternative intéressante, que sont les algues ou la spiruline, avec tout ce que cela peut impliquer. Des alternatives, il y en a d'autres. Je crois que vous êtes venu avec des amis que vous voulez nous présenter. Oui, ben je vais... On va, se jette on va un coup d'œil à ce que vous nous avez préparé. On va montrer quelques images, alors que je prenne la télécommande. Alors, juste avant, puisqu'on est amené à parler de prospective, quand on s'intéresse à aller assez loin dans le futur... Donc moi j'avais envie de vous montrer ma boule de cristal. Donc en fait, quand on veut faire de la prospective, on s'intéresse d'abord aux enjeux. C'est-à-dire on peut imaginer qu'il y a des enjeux dans le futur qui vont conditionner, dans notre cas, l'alimentation de demain. Alors dans ces enjeux, il y en a un que vous connaissez, qui est l'environnement. Je suis assez impressionné sur social cette année. Par rapport à il y a 2 ans, on voit en effet beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle l'éco-innovation. Il est temps en même temps, hein, Monsieur Millet. Voilà, c'est bien. Donc dans l'éco-innovation, ben on va trouver les protéines alternatives, ce que nous on appelle la transition protéique. Alors on a parlé des micro-algues, ça peut être aussi ce qu'on appelle la gestion des coproduits, c'est-à-dire des coproduits, des déchets qu'on va retransformer en produits alimentaires. Ça peut être en effet les insectes, tout un tas d'autres protéines possibles. Et puis en bleu, vous allez voir, il y a un cercle autour de la santé. Et moi, j'ai rajouté le bien-être, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on demande aux consommateurs s'ils ont des préoccupations de santé... En fait, il faut que ce soit relativement immédiat, c'est-à-dire se projeter quand on a 25 ans sur le fait que manger certains aliments, ça éviterait d'avoir un cancer dans 15 ans, ça ne les concerne pas beaucoup. Par contre, parler de bien-être, oui, ça les concerne. Et ça nous concerne tous au quotidien. Et puis, il y a ce troisième cercle que je vais expliquer un peu, qui est ce qu'on va appeler la culture numérique. Donc, on a un peu parlé d'alimentation particulière, où grâce au numérique, aujourd'hui, on peut faire plein de choses soi-même. Le numérique et les nouvelles technologies, tous on commence déjà à faire ses courses via le drive. Alors en France ou en Europe, c'est relativement restreint, mais il y a des pays comme en Asie ou aux États-Unis où c'est beaucoup plus important. Et moi, j'ai mis volontairement culture numérique parce que une culture, c'est pas que des outils, c'est pas que des choses, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, je vais vous parler de transhumanisme, par exemple, d'homme augmenté. Et finalement, dans la culture numérique, il y a tout ça. Et il y a en effet l'idée de l'ego, c'est-à-dire de quelque chose de plus en plus particulier qui va même flatter notre narcissisme. Donc, c'est quelque chose qui va être transversal et qui va impacter à peu près tout. Alors, pour vous montrer pourquoi je pense que la culture numérique, de façon globale, va impacter notre alimentation. Je vais montrer une image après. C'est un jeu que j'adore, c'est ce qu'on appelle la rétro-prospective. Alors là, je vous ai mis 2 images qui sont des grandes expositions qui ont lieu en 1939 et en 1964 aux États-Unis, qui s'appelaient Futurama. Et ces grandes expositions qui nous montraient comment serait le futur. Alors, je vous ai mis que cette image-là. Je vous invite, si vous voulez, à aller voir sur le net. Il y a plein de vidéos sur ces expositions. Eh bien, elles étaient commanditées par l'industrie automobile. Et en fait, qu'est-ce que racontaient ces expositions? C'est le monde vu par l'économie dominante de l'époque, l'automobile. Et moi, je me suis dit, mais après tout,
ils nous montraient tout. Hein. Il y avait déjà les drives, la façon d'habiter, de vivre la ville, etc. En fait, on n'a rien inventé. On l'a pompé sur le 1930. Mais en fait, tout a été dit à ce moment-là. Peut-être les voitures volantes, elles sont, on ne les voit pas. Mais on va y venir. Et donc, en fait, la culture, l'économie dominante aujourd'hui, c'est le numérique. Et donc, on peut se demander en quoi cette culture-là, ce pouvoir-là ne va pas influencer notre quotidien. Alors, peut-être pas tout de suite, mais dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, je vais vous montrer quelques images de produits. On va manger ? Voilà, on va manger un peu. Alors, on va manger quoi ? Alors, on peut peut-être commencer par manger un peu d'insectes. C'est sympa. Là, je vous ai mis un charmant verre de farine. D'accord. Voilà. Alors, c'est gustatif ? Ça a bon goût ? Vous avez déjà essayé ? Alors, ça n'a pas beaucoup de goût. D'accord. Hein, mais c'est très riche en protéines. Il y a quelques verres de farine ou autres grillons aux sauterelles à manger sur le Cial. Donc, vous pouvez goûter, vous verrez vous-même. Alors, pour l'instant, les expériences qu'il y a sur avec ces vers de farine et ces insectes, c'est surtout sur des produits apéritifs. Là, vous avez un projet d'une étudiante qui a travaillé sur justement les représentations de ces insectes dans notre alimentation. Donc là, c'est un produit de snacking où l'insecte est réduit en concassé et il est mis dans une brochette de légumes. Avec deux brochettes, vous avez un repas complet. C'est pas mal parce que du coup, voilà. Ça fait un petit peu moins peur. Ça doit être très bon, on l'imagine. Pourquoi pas ? Alors, pour le futur. Ce qui est intéressant avec l'insecte pour nous en tant que designer, c'est que ça nous pose des questions sur nos représentations. C'est pas que, pour l'instant, manger un insecte, c'est encore un aliment défi. Donc c'est très drôle à l'apéritif, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans notre consommation du quotidien. Donc il va falloir un certain temps. Donc c'est une protéine intéressante. Peut-être qu'il y en a d'autres, les micro-algues. Et puis je vais montrer, je crois que c'est un produit juste après. Voilà, c'est un nom charmant, Kill Your Spots. Kill Your Spots, alors qu'est-ce voilà. que c'est ? Alors, il y a une micro-algue là-dedans qui s'appelle l'algue clamate. D'accord. Qui vient d'un lac dans l'Oregon. Alors là, la spiruline à côté, c'est rien. Hein, c'est la micro-algue la plus intéressante sur le plan nutritionnel. Elle s'appelle comment ? Alors, l'algue micro-algue clamate. Clamate, c'est voilà, intéressant. Qui vient d'un lac de l'Oregon. D'accord. Voilà. Et donc, cette micro-algue a plein de vertus, comme la spiruline. Elle est très riche en plein de choses. Et donc, là, l'étudiante s'était posé la question, comment on va faire rentrer dans la consommation habituelle cette micro-algue ? Alors, elle s'est intéressée, plus que les protéines, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme qualité ? Et s'est rendu compte qu'elle avait des qualités anti-acnéiques. Voilà. Elle a croisé cette qualité-là avec un problème d'usage. D'abord, qui a des problèmes d'acné ? En principe, les adolescents. Elle s'est rendu compte que les adolescents ne prenaient pas de petit-déjeuner. Donc, elle a créé une solution petit-déjeuner pour les adolescents qui leur évite de mettre de la crème ou de prendre un médicament. Ça, c'est absolument génial. Voilà. D'où le nom Kill Your Spots, on éradique vos boutons. Très intéressant. Quoi d'autre, monsieur Millet ? Alors, je suis venu avec d'autres petites images. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans l'alimentation du futur sur la santé, il y a toutes les recherches qui sont faites sur le microbiote. Et donc, microbiote ? Voilà, puisqu'il paraît qu'on a un deuxième cerveau. Enfin, c'est pas il paraît, on a un deuxième cerveau dans l'estomac. Voilà, intestin et estomac. D'accord. Et donc, en effet, avec tout un tas de ferments, on peut réussir à agir sur notre santé. Alors, c'est certainement le domaine qui est le plus prometteur de ce que j'ai entendu jusqu'à présent de différents experts. Donc là, j'ai un étudiant qui a travaillé sur une solution smoothie. Voilà, c'est-à-dire ça devient un plaisir de prendre ces ferments lactiques avec des ferments qui sont parfumés à plein de choses très agréables. Et rapidement, Monsieur Millet, pour terminer, qu'est-ce qu'on va manger d'autre ? Terminer, c'était sur l'aspect technologique, c'est-à-dire... Ça commence à venir, alors peut-être que dans 2 ans, au prochain Cial, on verra ce qui se passe. C'est ce qu'on va appeler la food tech. C'est comment est-ce que la technologie rentre dans notre alimentation. Alors ça peut être par l'impression 3D alimentaire. Voilà, ça commence à venir, c'est pas encore au point. Mais déjà au quotidien, c'est par des tas d'applications. Ça peut être pour faire des recettes, mais de façon encore plus pratique et pragmatique sur le plan de la santé. C'est par exemple ce projet d'application qui permet de faciliter la vie des familles qui ont un enfant atteint, d'épilepsie. Voilà, les enfants épileptiques. Alors il faut savoir que les enfants épileptiques, il y en a quand même quelques milliers en France. Et je prends que le cas de la France. Et il y a un moyen de soigner ces enfants par une solution alimentaire, hein, voilà, qui est le régime cétogène.
C'est quoi le régime cétogène? Encore une fois, désolé, on n'a pas beaucoup de temps, mais rapidement. Rapidement, c'est un régime qui est très gras, beaucoup de graisse, qui demande une surveillance permanente. Et donc, pourquoi elle a fait cette application? C'est qu'en effet, les familles qui sont touchées par des enfants atteints de cette maladie ont besoin d'un vrai soutien. Donc, à travers une application, on peut réussir à créer du lien aussi avec des médecins et des nutritionnistes. Merci infiniment, Benoît Millet. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Philippe Marie de Chastenay, et ce sera ma dernière question du jour. Pour vous, le futur, pression? Je sais pas, vous avez eu peur. Pour vous, le futur, ce sera vraiment quoi? Le futur de l'alimentation, la 3D, on en a parlé. Les objets connectés, on en a parlé. Des aliments superfood, on en a parlé également. Faire attention à ce qu'on mange, la santé, le bio. Où est-ce que ça va nous mener, tout ça? Alors, et surtout, je me permets d'intervenir parce que je veux vraiment que vous rebondissiez là-dessus, parce que je sais que vous ne faites pas preuve de langue de bois. Est-ce que pour bien se nourrir demain, il va falloir avoir de l'argent? Est-ce que ça va augmenter les disparités entre les riches et les pauvres? Voilà. Alors, on va commencer par une réponse à l'envers. Donc, la réponse à la fin est oui, il y aura des disparités nécessairement, puisqu'il y aura une nutrition pour la masse qui, pour objectif, a d'être performante, on va dire nutritionnellement, à défaut de... elle va nourrir le corps plus que l'esprit, et on va avoir une food for soul, pour reprendre une expression qui existe déjà, qui va être plutôt je mange bio, je m'intéresse au process de fabrication. Et on voit qu'on est dans l'angle de lecture de qu'est-ce que la nourriture, est-ce que l'aliment est juste quelque chose qui doit remplir le corps et avoir une fonction de complément, entre guillemets, de mes propres déficiences? Où est-ce que ça doit être un plaisir? On était dans l'évocation de Benoît et de Marius sur... en France, on est a priori plutôt dans de l'émotionnel quand on parle de nourriture. Et moi, mon premier cerveau, il est clairement dans mon ventre. Ma première mémoire est même dans mon intestin, a priori. Mais on va être sur ces éléments-là. Pour revenir sur le début de la question, on est sur la fusion de l'ensemble de ces aspects. Et pour reprendre la vision du futur et le rétrofuturisme, qui est toujours fascinant, on est... ici, ce qu'évoquait Marius, au croisement entre un futur utopique où tout le monde sera merveilleux, on mangera bien, on mangera sain, on mangera équilibré et on se corrigera et on se soignera, et d'un futur dystopique qui souvent est la réalité. On a vu qu'on ne vole pas dans des voitures pour l'instant et on n'a par contre plus de ressources en pétrole à moyen terme. Donc, et qu'on meurt toujours de faim aujourd'hui. Voilà, l'utopie n'est pas toujours la réalité. Voilà. Et dans ce futur dystopique, je vais ingérer des aliments qui vont être très, très ultra transformés, très loin de leur source, qui vont certes être très bons, mais dont je ne sais pas quelle va être l'innocuité à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que quand je serai vieux, le fait d'avoir mangé ce bâtonnet-là va me tuer ou pas? Et donc, on est exactement ici, entre le croisement, et le monde digital pose les mêmes questions, qui est... quel type de futur je veux dessiner, quelle nourriture et quel environnement social je veux dessiner. En tout cas, c'est un vaste sujet. Je regrette que cette émission ait été si courte, parce qu'on aurait pu en débattre pendant des heures. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Marius Robles, thank you so much for being with us today. Monsieur Gonçalves, Mathieu Gonçalves, je rappelle que vous êtes le fondateur d'Algama, les algues de demain. Si vous voulez les goûter, eh bien vous pouvez y aller, elles sont d'ores et déjà à la portée de tous. Benoît Millet, merci, c'était très intéressant d'avoir pu voir ce qu'on allait manger demain. J'espère que vous reviendrez très bientôt sur ce plateau. Et bien sûr, Jean-Marie de Chastenay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Thank you so much for watching. You can see that video on the CL channel of YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir encore et encore cette émission sur la chaîne YouTube du CL. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur CL TV, bien sûr.